Eh bien salut les amis, c'est Kervano, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, 42e épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Je ne suis toujours pas trompé d'épisode, je crois. N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ce serait bien d'explorer un peu les cieux pour récupérer peut-être pas des vœux des sages, faire des sanctuaires, etc. Parce que j'ai besoin de plus de cœur pour la fin. Je sais ce qu'on fait dans la prochaine vidéo, mais là c'est un peu libre. Dans tous les cas, les amis, on y va. Alors déjà, je devais aller à la roulotte qui est là. Mais parce que monsieur veut encore des cristaux d'Elusis, hein. Vas-y, j'en ai pas énormément en vrai, hein. Donc je te donne ce que j'ai, mais c'est pas incroyable, je sais même pas combien il y en a dans le jeu. J'espère qu'il n'y en a pas 999. Attends, il me donne quoi? J'ai pas lu. Ouais, on échange 2 cristaux d'Elusis, mais c'est bon. Pour un masque de quoi? J'ai pas vu. Beaucoup blanc, je l'ai déjà. Mais genre des autres là. Ok, quelle agréable sensation, mon corps change. Il me faut plus de cristaux, encore plus de cristaux. Et donc, un masque de Moblin. D'accord, donc c'est pour que les Moblins me reconnaissent pas. Ouah, d'accord, très bien. Quoi? Après avoir mangé le premier cristal, je me suis rendu compte que je pouvais sentir la présence des Elusis. Enfin, pas tous, évidemment. Mais si c'était dans tes recherches, je peux te dire où tu trouveras probablement des Elusis. Ouais, d'accord, ok, mais vas-y, on continue. Par contre, pourquoi il y a des trucs à côté, là? Enfin, bon, vas-y. Prends les 3 de plus. Je suis sûr que ça va rien de changer. Je sais même pas si ça va marcher à la fin. J'en sais rien du tout. Bref, alors, des ongles d'inox. Ah, il me montre la prochaine récompense. D'accord, il y aurait pas des trucs de linel? Ça serait bien. Wow! Attends, bien sûr qu'on échange. C'est quoi ça? Ouais, je pense que ça va briller, non? Déjà, on dirait un peu que ça brille. Gloop. Autant de puissance, mais que m'arrive-t-il? Toutes mes excuses. La tenue des esprits. Dégâts subis en rubis. Donc, au lieu de prendre des dégâts, je perds des rubis. Bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que j'en ai pas beaucoup, en fait, de rubis. J'en ai même 0. Bon, vas-y, on échange encore. Ça, par contre, ça a l'air d'être un peu... Oui, 8 matériaux contre 3 cristaux d'Elusis. D'accord, je crois qu'il me demandait 3 cristaux d'Elusis, j'ai eu peur. Mais ça, c'est nul. C'est des trucs que je peux avoir littéralement partout, super facilement. J'aurais peut-être dû les prendre en photo, d'ailleurs. Œil de feu. Non, je dois déjà en avoir eu. De toute façon, ça m'a pas marqué nouveau, donc j'en avais déjà eu. On échange, et donc là... C'est pour que les lézards, ils me reconnaissent pas. Les lézalfos. Ah, c'est des lézards, les lézalfos, hein, j'ai le droit de le dire. Ok, merci. Vas-y, ouais. Donc, donne-moi le masque de lézalfos. Par contre, ça donne rien de défense. C'est très nul. Et c'est quoi le prochain truc qu'il va me donner? Des queues de lézalfos, d'accord. Où trouver des Elusis? Il focalise ses KBC sensoriels. Au sud-ouest d'ici, je sens la présence d'un Elusis près de la forteresse d'Akala. Je dirais que c'est un bon endroit où chercher. D'accord, alors la forteresse d'Akala, c'est quoi? C'est ça, non? C'est même pas marqué. Forteresse d'Akala. Ça devait être effectivement le truc qu'il a dit. Bon, bref, dans tous les cas, moi, faut que j'aille ici. Parce qu'il y avait des fées dans le coin. Donc, ouais, juste à côté de ce relais, il y a un puits. Et ce puits, il est particulier. Déjà, il est où? Il est là. Donc, ouais, parce qu'en fait, dedans, t'as un autre puits. Et encore un autre puits. Je sais pas où c'est. C'est quoi? C'est pour remonter ça? On s'en fout. Donc, par contre, sur la map, il m'affiche pas comme étant validé ce puits. Ça veut dire quoi qu'il est pas validé? Parce que des fois, il y a un petit V. Ah, c'est direct là, l'effet? Mais je suis pas allé là. Attendez, mais c'est vraiment ça? Ok, bon, déjà, je les récupère. En plus, il y a une petite statuette, ça, c'est cool. Mais toi, approche-toi. Si je vais dans l'eau, elle va fuir, c'est sûr. Pourquoi elle s'approche pas plus, là? Elle aime bien les graines Lumos parce que ça brille. Allez. Comment elle peut ne pas me voir? Yes, c'est bon. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Il me semblait que c'était un puits dans lequel il y avait un autre puits. En fait, je confonds avec un autre puits, manifestement, mais je sais pas lequel. Bon, deuxième étape de cette vidéo, c'est d'aller au village des limites, même si je sais plus où il est, pour voir ce qu'il en est devenu de la maison de Link. J'ai 2 sanctuaires pas faits dans le coin, mais c'est improbable. C'est une bénédiction. Attendez, genre, le premier sanctuaire, je suis pas allé le faire, parce que je me disais, ouais, je le ferai plus tard, j'ai pas le temps, alors que c'était littéralement une bénédiction. Mais genre, pourtant, il y a rien de plus rapide à faire. La forme qui prélève. Va encore falloir... Non, je croyais qu'il fallait assembler un truc. Apparemment non. Donc je vais devoir faire rouler une boule ici. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça je peux le faire tourner. Non. En fait là, il y a plein de boules. Je pense que... Ah, d'accord. Faut que je construise un truc qui va réussir à récupérer plein de boules. Ça m'a l'air plutôt bien, non? Je pense que c'est à peu près ça qu'ils veulent qu'on fasse. Ah. Non, ça marchera pas là. Là, je sais pas si ça suffira en vrai. Je pense que ça les enverra peut-être valdinguer. Bon, bref, dans tous les cas, qu'est-ce que je dois faire?
Le courant c'est là. Vas-y. Ah en fait c'est pas assez rapide. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Alors non, déjà on va virer. Ah mince. Ah mince, ah ça n'a vraiment pas marché. Vas-y, ajoute ça. Là ça marchera peut-être mieux. Je rajoute ça, je sais pas si c'est une mauvaise idée. Mais comme ça, ça fait un peu une pince. Bon, faut quand même attendre que ça refasse un tour complet là. Ah mais non. Ah mais non, surtout pas. Attendez, attendez. Si ça refait un tour complet, genre ouais, ça va faire n'importe quoi. Ah mais mince. Ah. Non, ça va pas le faire plus descendre. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je le décolle. Et je vais devoir refaire ma forme. Donc c'était à peu près ça que j'ai fait. Mais en fait j'arrive plus à les ramasser là parce qu'ils sont trop mal en point. En fait j'ai fait n'importe quoi. J'ai complètement détruit le pattern. Là faudrait qu'il y en ait qui retombent. En fait la question c'est combien il va en falloir. Parce que s'il en faut qu'un, enfin c'est bon, ça je vais l'avoir, mais ça m'étonnerait qu'il en faille qu'un. Allez vas-y vas-y. Mets-le là où il faut. S'il en faut qu'un, c'est vraiment trop facile. Et après c'est la fin du. Ouais, c'est littéralement la fin par contre. Ouais. D'accord. Vas-y, mets-toi là. Il en faut qu'un. Par contre, il y a un coffre. Et où? Pour moi, le meilleur endroit où peut être le coffre, c'est genre tout au fond. Mais les retirer un à un, c'est un peu chiant. Mais je vois pas trop d'autres solutions. En fait, on peut les coller directement au truc. Donc ça fait qu'ils vont être amenés et qu'ils vont quand même rouler dans le machin. Donc en fait, genre faire la pince, c'était complètement inutile. Bah le coffre est bien là, ok, il était tout caché. J'ai trouvé un moyen en plus de les déplacer rapidement. C'est genre juste de les coller tous ensemble. Enfin bon, vas-y, qu'est-ce que ça donne? Espadon de sonium puissant. Un truc encore pas ouf, mais bon, ça va toujours être mieux que ces baguettes toutes pourries. Après j'ai l'impression que la baguette que j'ai à 5, elle en envoie 3, donc c'est mieux. J'ai eu tous les coffres, ok, on se barre. Ah! Les boules, en fait, ça les laisse bloquer là-haut. Mais après, elles glissent pas dans le... Bah si, en fait, il y en a qui glissent. En fait, c'est juste qu'elles sont bloquées. Mais en fait, genre, ouais, j'avais donc bien raison. Le truc des planches, là, ça sert absolument à rien. Il suffisait juste de les coller au rouleau. Pourquoi j'y ai pas pensé? Surtout qu'on peut coller au rouleau les planches. Donc pourquoi je n'ai pas pensé à coller directement les boules? En fait, j'avais pas analysé suffisamment la sortie là-haut. Alors, elle était où ma maison, par contre? Parce que ce village est un peu grand. J'ai aucun souvenir. Il y a des peintures ici. Il doit y avoir un truc de teinture pour mon paravoile, non? Oula, il fait peur, lui. Bienvenue à toi pour une vie autant couleurs, t'es au bon endroit. Ici, à la teinturerie du Levant, notre devise est la suivante. Rafraîchir les couleurs, rafraîchir le cœur. Cher client, si tu possèdes les matériaux de coloration nécessaires, je teins tes vêtements de la couleur de ton choix. Ah non, mais c'est pas ça que je veux. Par contre, le paravoile. Oui, il faut une étoffe. Ben, j'en ai plein des étoffes. Tissu Gouttier et... Je ne sais pas si tu connais la boutique de vêtements Vendès, à l'entrée du village. Mais cette étoffe a été créée par Gouttier, rien que ça. C'est une célèbre styliste, tu sais. Le royaume d'Hyrule regorge d'étoffes aux motifs uniques et typiques de leur région. Ça devrait te plaire. Pourquoi il y a des pénis sur sa tête? Si tu trouves une nouvelle pièce de tissu, pense à moi, surtout. Vas-y, j'en ai. Par contre, j'espère que c'est gratuit. Rénove mon paravoile. Non, c'est 20 rubis. Oh non. Comment ça? Qu'est-ce qui vous arrive là? Il y a un problème? Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je ne peux pas faire entrer 3 clients en même temps. Quoi? On s'est donné la peine de venir ici, jusqu'ici, on peut même pas entrer. Et moi qui voulais voir la dernière collègue de la célébrissime Gouttier. J'avais tellement hâte, il paraît qu'ils se sont vraiment surpassés cette fois chez Gouttier. Je suis tellement navré, vraiment. Il ne reste plus qu'une place. Une place? Il ne m'en faut pas plus en réalité. Attends, quoi? Tu vas quand même pas y aller sans nous. Mais non, bien sûr, je plaisantais. Tant pis, on reviendra une autre fois. D'accord, et puis on peut toujours aller passer le temps dans la teinturerie du village. Et tant qu'on y est, on pourrait aussi faire un tour à la ferme. Oui, il paraît que là-bas, il y a un laboratoire qui étudie des antiquités. Faut aller voir ça de plus près. Pomponné comme on est, c'est le moment de se montrer partout où on peut. Vous êtes habillés pareil, mais juste avec des couleurs différentes. Ah non, il y en a un, son chapeau était plat, les autres non. Ouf, ils ont fini par lâcher l'affaire. Moi, je peux rentrer? Oh là là, désolé pour l'attente. Toi aussi, tu veux voir la dernière collection de Gouttier? Tu peux entrer. Il nous reste justement une place, une seule. Vas-y, je t'en prie. Gouttier en personne est à l'intérieur. Mais attention, ce n'est encore qu'une exposition. On ne vend rien du tout. Je te dis ça pour que tu ne sois pas déçu. Attendez, mais comme si j'avais envie de m'habiller comme eux. Ça se trouve, c'est ça que je vais débloquer comme tenue. Salut. Alors, oh, c'est beau en vrai. On peut regarder sous tous les angles. C'est vraiment un travail d'exception. Rien d'étonnant venant de moi. Après tout, ne suis-je pas la mondialement célèbre Gouttier? Oh, excuse-moi, serais-tu par hasard un admirateur de la grande Gouttier? Pourtant, je peux voir à ton expression que tu n'y connais rien à la mode. Mais vous avez vu comment je suis habillé? Vendès est la seule enseigne au monde à distribuer la marque Gouttier.
Grâce à ça, cette échoppe, que dis-je, ce village est devenu un véritable temple de la haute couture. Et ce que tu as sous les yeux, c'est le chapeau de Gautier, mon dernier chef-d'œuvre en date, et le meilleur à ce jour. En vrai, il est stylé, j'aime bien. Enfin, les motifs champignons, bof, mais les pierres précieuses et tout. Enfin, les champignons qui ont l'air des pierres précieuses, c'est stylé. Regarde ces courbes. Ok, j'ai pas lu. N'est-il pas somptueux? Par contre, la coupe, faut changer. Hein. C'est une pièce unique en son genre. Elle est inestimable, je ne pourrai jamais la vendre. J'ai décidé de l'offrir à quelqu'un que j'estimerais digne de la porter. Je la réserve à la personne la plus extraordinaire de la capitale de la mode d'Hyrule. Qui que ça puisse être. Moi? What? Que se passe-t-il? T'es qui, toi? Et à quoi ça pourrait bien servir, je te le demande. Ce n'est pas l'avenir que je souhaite donner au village. Tiens, tiens, regardez qui voilà. Ne serait-ce pas Balin, notre bon maire du village des limites? Que puis-je pour toi? Désolé, j'ai essayé de l'empêcher d'entrer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Par contre, ils ont dit qu'on était 3 max à l'intérieur, on n'était pas 3, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui est rentré. Gautier, combien de fois il faudra te le répéter? Tu vas arrêter de laisser traîner tes bizarreries partout dans le village? À cause de toi, la nuit est claire comme en plein jour, et ça perturbe la croissance des légumes. Ces mêmes légumes qui font la réputation de notre village. Qu'est-ce qu'on va devenir s'ils dépérissent? Allons, allons, ne t'énerve pas comme ça, d'autant que tout le monde ne partage pas ton avis au village. On ferait mieux d'en discuter tranquillement. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Clévia. Si elle continue comme ça, on peut dire adieu à notre village. C'est mon devoir de protéger ce village, ne l'oublie pas. Protéger le village? Allons donc. A ton avis, qui a su ramener un peu de vie et d'activité ici? Le village des limites est paisible et autonome, voilà tout. C'est ce qui le rend si spécial. Très bien, nous n'avons qu'à laisser les villageois décider. Entre ma façon de faire avant-gardiste et la vision dépassée et conservatrice du chef de village, nous verrons bien ce qu'ils choisiront. Si on organise des élections. Des élections? C'est démocratique, hein. Eh bien d'accord, si tu veux. De toute façon, je l'emporterai, ça ne fait aucun doute. Sephora, c'est toi qui t'occuperas de tout organiser. Sephora? Quoi? Mais j'ai rien demandé, moi! Clévia, nous n'avons plus rien à faire ici, rentrons à la maison. Qu'est-ce que je vais devoir faire, moi? C'est quoi le délire là-dedans? Oh, encore toi? J'ai beaucoup à faire pour l'élection du chef du village. Tant qu'on y est, tu peux peut-être me dire, qu'est-ce qui... Pour qui comptes-tu voter? Bah pour toi, bien sûr. Évidemment, je savais que tu étais une personne sensée. Pas la peine d'en discuter pendant une heure. Je vais l'emporter, c'est l'évidence même. Enfin, Balin a quand même quelques partisans dans le village. Je dois les ramener à la raison. Et donc, j'ai décidé de leur donner des champignons. Quand on pense Gautier, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les champignons, n'est-ce pas? S'ils mangent ces champignons, ils seront délivrés de leurs dépassés, habités par le style de Gautier. Mais elle veut droguer les gens pour voter pour elle, mais c'est antidémocratique. Mais avec Sephora, on doit s'occuper de la boutique. Alors, je dois confier cette mission cruciale à quelqu'un d'autre. Je vais le faire. J'étais sûr que tu dirais ça. Merci, tu me sauves la vie. Bien, alors prends ça. C'est juste des champignons normaux. En plus, ils droguent même pas, eux. Tu dois donner ces champignons aux partisans de Balin. Tu les reconnaîtras à leur sens de l'esthétique déplorable. Mes partisans, moi, ont du style. Ils portent tous ma marque. N'en donne pas aux membres de la famille de Balin. Ça me semble évident. Mais je te le dis quand même, au cas où. Ah, et aussi, pas la peine d'en donner aux enfants, aux voyageurs ou aux gens qui ne sont que de passage ici. D'après mes estimations, ça devrait porter le nombre de partisans de Balin à 8. Ta mission, si tu l'acceptes, donner un champi d'Hyrule à chacune de ces personnes. Allez au boulot maintenant! Ok, mais par contre, pourquoi moi, elle m'a pas donné un vêtement? Parce que moi, j'ai aucun sens de la mode. Sephora, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je tiens vraiment à m'excuser de t'embêter autant avec nos histoires. Mais maintenant qu'on est dedans jusqu'au cou, tu voudrais bien me rendre un service? Oh, c'est trop gentil, j'étais sûr que tu accepterais. C'est à propos de ma sœur. Ces derniers temps, je l'ai vue sortir en douce au milieu de la nuit. Je ne pense pas qu'elle prépare un mauvais coup, mais avec les élections qui approchent, bref, on ne peut pas se permettre de laisser courir des bruits. Alors si vous pouvez la suivre, histoire de voir ce qu'elle fait, ça m'aiderait vraiment. Bon, bah on verra la nuit. Lui, il a pas l'air d'être converti, là. Vas-y, tu peux prendre un champignon? Je sais même pas s'il va m'autoriser. Tiens, un champi! Ah, mais je vais même pas vérifier s'il était de la famille ou pas. C'est grave si je fais ça? Attends, quoi? Il veut pas? Ah, si, si, il en reste 7. Merci pour l'œuf de volatile, mais je suis pas là pour ça... Quoi? On s'en moque, je ne peux pas oublier. Mais de quoi? Quoi? Mais non, mais attends, il faut que je te donne un truc, moi. Tiens, un champi, vas-y. J'espère que t'es pas de la famille du gars. Hein. Vas-y, c'est bon. Comment ça, ça t'inquiète? De quoi tu parles? Tiens, mais dis-moi, c'est bien toi qui es une fois dans... Ouais, bref. Ah, mais c'est pour l'élection. Enfin, peu importe, je t'avoue que j'ai autre chose en tête. Je dois tirer ça au clair avant que l'élection du chef du village commence. Tirer quoi au clair? Oh, tu veux bien m'écouter? C'est à propos de mon mari, Balin. Ces derniers temps, il passe ses nuits enfermé dans notre hangar. Il mijote quelque chose, c'est certain. Genre, ils sont en couple? Mais quand j'aborde le sujet, il refuse de me dire quoi que ce soit parce que c'est un secret. Si j'essayais d'aller mettre mon nez dans tout ça, il s'en rendrait compte immédiatement. Mais attends, mais non, mais c'est elle sa femme. Il trompe pas sa femme avec l'autre. Quoi? Attends, donc je dois faire quoi là? Je dois rentrer dans le hangar
en journée, c'est ça? Et par contre, faut passer par un tunnel, ok. Mais c'était ça ma maison, non? Et vraiment, la nouvelle maison que j'ai, même si j'ai mis que 3 pièces, elle est quand même beaucoup plus belle. Alors, me voilà chez moi. Ou pas, en fait. Attendez. C'est le cheval doré de Zelda, ça? Ce serait la maison de Zelda, maintenant? Pourquoi elle nous a volé notre maison? Et en plus, même si c'est sa maison, pourquoi elle aurait une maison, déjà? Elle a un château. Et en plus, ça peut pas être sa maison. Sinon, il y aurait des photos de nous, c'est obligé. Vas-y. C'est genre... Quoi? C'est la maison de Zelda. Attendez, mais elle a un château et elle prend une maison quand même. Bon, là, il est un peu impraticable, mais il l'était pas avant. Et comment ça, nous, on habite où maintenant? Et pourquoi il n'y a pas de photos de nous dans sa maison? Ah, ah, il y a un puits ici. Donc, s'il y a bien un tunnel, bah... Non, en fait... Oh, coucou la grenouille. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? Ça, c'est pour moi. Maintenant, j'habite dans ce puits, imaginez. Vieil anneau capillaire. La patine du temps a fait perdre cette nouvelle couleur d'origine, mais il s'en dégage à présent une certaine mélancolie. Attachez vos cheveux avec... Ah, c'est juste pour attacher mes cheveux. Alors que, bah, c'est bien, mais genre, ça fait aucune stat. Donc, c'est quoi, ça? Journal de Zelda. M'en fous. Elle m'a volé ma maison, wesh. En fait, je vais devoir chercher dans tous les puits, voir s'il y a un passage sous le hangar. Ça me saoule, je suis en train de faire tout le tour de la grotte, là. Et je trouve même pas l'Elusis ou je sais pas quoi, là. Vas-y, mais toi. Qu'est-ce que tu fais, là? Ok, enfin. Quoi? En un coup? Il était vraiment grave nul. Mais elle est gigantesque, cette grotte. Bon, il fallait que je le prenne en photo. En plus, elle est belle, cette photo. Ah, j'ai géré. J'ai vraiment fait toute la grotte et je l'ai pas trouvée. J'ai fait complètement tout le tour. Bon, après, là, c'est la lune de sang, ce qui est pas mal. Je pourrais re-combattre le linel bleu. Je sais pas si j'arriverai à le battre. Genre, j'ai plus que des armes pourries, j'ai l'impression. En tout cas, le hangar où je suis censé aller, c'est juste au-dessus. Par contre, dans la ville, je vais être perdu à qui j'ai parlé, à qui j'ai pas parlé, là. What? C'est là que je dois être. Projet de développement d'une nouvelle variété de citrouille. Il paraît évident que l'un des principaux intérêts du village des limites réside dans la qualité de ses produits agricoles. Mais qu'est-ce qui... Tout le monde s'en fout, non? Toi, je t'ai jamais parlé, là. Vas-y, prends un champi. Il va en rester combien, là? 5, non? Attendez, c'est que... C'est quoi? C'est... Ouais, il en reste 5. Toi aussi, t'es pas converti, vas-y. Mais par contre, de la famille, en fait, à part la femme, il y en a. Ah, mais ça refuse mon champignon. D'accord. Ah mais non, mais en fait ils ont déjà des trucs champignons, c'est juste que c'est moins visible. Ah oui, elle a déjà une tenue de champignons. Pourquoi tu fais le ménage chez Zelda, toi? Alors, est-ce que notre projet avance? Ouais. Il développe une nouvelle variété de citrouille. C'est donc pour ça qu'il rendait visite à Bashua si souvent ces derniers temps. Ça aurait été beaucoup plus simple de demander conseil à Goutier directement, mais il est tellement fier et têtu. Au moins je suis rassuré, ça explique beaucoup de choses. Comme sa visite chez Vendest, l'autre fois, oui c'est évident. Ah désolé de t'avoir impliqué dans l'histoire personnelle. Merci d'avoir mené l'enquête pour moi. Tiens, comme promis, voici ta récompense. Waouh. Bon, ok. Elle pensait qu'il était infidèle, mais en fait pas du tout. C'est relou l'émission de trouver tous les gens pour l'élection là. Et c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, mais bon, allons-y. C'est ça qui est bien avec le jeu, c'est que genre... Tu prévois de faire des choses et en fait t'es tout le temps dévié tellement il y a de choses à faire. Ah, toi, voilà. Je me souvenais qu'à la ferme il y en avait qui n'avaient pas été convertis. Donc, quoi? Non, je veux pas de l'effraie, hein. Tu veux des glands? Bon, j'en sais rien, en fait j'ai tellement de ressources que... Quoi? Ah, j'en ai pas 3, ok. En tous les cas, on s'en fout, c'est pas la mission qu'on voulait. Là, il y a aussi quelqu'un qui en a besoin. Donc là, il en reste plus que 4 techniquement. Si tu veux bien vouloir... Ah, pas sûr. Si, tu veux bien? Ok, vas-y, vas-y. Ok, super, je veux rien vendre. Et donc, il m'en reste 3. Par contre, il y a vraiment personne qui est chez lui pendant la journée, hein. Ils sont tous sortis. Toi, t'es pas converti non plus, vas-y, prends un champignon. Ah, mais c'est dans l'auberge, donc il est peut-être de passage, tiens. En fait, ils nous autorisent pas à donner des champis quand c'est des gens qui sont pas concernés, donc ça va, en fait, c'est cool. Tu veux ramener une saveur oubliée à la vie, d'accord. Mais en fait, genre, je pensais faire... un truc rapide, mais genre il y a trop de missions à finir ici. Faut que je ramène du lait de la ferme. C'est ça? Mais j'en ai, non? Crémeux, ou alors du fromage. As-tu goûté le lait frais de la ferme? Rien de tel après un bon repas, d'accord. Il manque 2 personnes et absolument impossible de trouver où ils sont. Toi là, je crois que je t'avais pas parlé. Bah si, je t'avais parlé. Oh. J'irai voir dans les maisons la nuit, ça se trouve il y aura des gens à qui j'ai pas parlé dedans. Je veux suivre sa sœur, c'est la mission qu'elle m'a donnée, mais sa sœur elle refuse de sortir alors qu'on est le soir. Ah, la voilà enfin. Donc faut pas que je me fasse voir et apparemment elle est très aux aguets. Ce serait une mission qui serait bien entendu plus facile si j'avais le truc de discrétion, mais bon. Si elle marche à cette vitesse, j'espère que la mission sera pas trop longue. Et où est-ce qu'elle va? En haut du moulin? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et là, je peux pas rentrer, sinon elle va me voir. Comment je pourrais faire? Je peux pas faire infiltration. Faut que j'y rentre? Elle va me voir. Risque d'effondrement, accès interdit. Personne par ici. J'aurais dû rentrer pendant que la porte était ouverte? Non.
Je peux pas y aller par là. Je dis peut-être que par le puits, il y a moyen. J'ai pas placé le truc. Il a disparu, c'est ça? Attendez, essayons. Oh, punaise, dégagez. Non mais, en plus, ça va me retirer, genre, de la puissance de ma lame pour littéralement rien. C'est des ennemis nuls. On peut monter? Allez, coucou. Je suis là. Hein, quoi? Ah, j'ai failli faire une crise cardiaque. Comment tu as fait pour entrer? Ce silo est à moi. Personne n'a le droit d'y entrer sans mon autorisation. Allez, ouse dehors et qu'on ne t'envoie plus ici. What? C'était pas ça que je devais faire, alors? Apparemment. Le silo de l'autre côté du chemin, c'est donc là que va ma sœur. Maintenant, reste donc à savoir ce qu'elle fait dans un endroit pareil. La fenêtre est trop haute pour qu'on puisse voir à l'intérieur, et il n'y a pas d'échelle. Il doit bien y avoir un moyen de regarder ce qu'elle fait là-dedans, pourtant. Bah ouais, mais genre, elle va me voir, en fait. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment moyen d'aller derrière elle. Parce que là, genre... Vas-y, on va voir. Ah mince, non. Quoi que je fasse, je suis obligé d'être devant. Ah, c'est bon, j'ai un meilleur accès. Elle va me voir, là. Mais oui! Mais quoi? Bon, c'est clairement pas une mission pour moi, je sais pas comment faut faire. Juste aller à la fenêtre, sinon. Il y a une petite fenêtre. Bien, personne ne m'a vu. C'est l'heure de mon encas secret. Et voilà le menu du soir. Oh, ces légumes, cette couleur, cette texture, ce parfum. J'en ai l'eau à la bouche. Allez, passons à table. Crunch, crunch, crunch. En fait, c'est ça son secret, mange des carottes le soir. Waouh. Ah, quel régal. Rien qu'au goût, on sent tout de suite que l'eau d'ici est pure et fraîche. Sans compter la richesse de la terre et le savoir-faire de nos fermiers. Aucun légume du monde ne vaut ceux du village des limites. On peut être une styliste avant-gardiste et apprécier les choses simples et le produit de la nature, en réalité. Mais si ça se savait, mon image en prendra un coup, c'est certain. Bon, j'ai assez mangé pour aujourd'hui. Il est l'heure de rentrer. Si je traîne trop, Sophora va finir par se douter de quelque chose. Mais en quoi c'est un secret ce qu'elle fait? Elle a tout à fait le droit. Après, c'est vrai que c'est un peu contraire à ses principes, vu qu'elle s'en fout normalement des légumes du village, mais on s'en moque. J'espère vraiment que ma sœur ne te donne pas trop de mal. Elle est difficile à suivre, mais je m'inquiète pour elle. On sait. Hein? Le silo de l'autre côté du chemin? Oui, on a même écouté. Ce n'est que ça, et moi qui m'attendais à découvrir un terrible secret. Tu sais, ma sœur parle beaucoup de style, d'image et d'originalité. Elle n'a que ces mots-là à la bouche. Mais pour tout te dire, en vrai, elle a des goûts plutôt simples. Elle adore le rythme de vie tranquille du village. C'est même pour ça qu'elle est revenue vivre ici. Ces histoires de développement et de haut lieu de la mode, c'est du vent. La vérité, c'est que le légume du village des limites lui manquait terriblement, j'en suis sûr. Quoi qu'il en soit, je suis rassuré. Elle ne faisait rien de bien méchant, finalement. Je me sens plus légère. Tiens, laisse-moi te donner ceci pour te remercier. Non mais c'est une blague! Vos quêtes pourries là. Bon, en tout cas, le matin, normalement, il y a quelqu'un du côté du village. Enfin, du côté de. Du laboratoire. Eh, toi, je t'ai jamais donné de champi. Vas-y. Nickel. Bah, plus qu'un. Punaise. C'est le dragon blanc, ça? C'est pas obligé, hein. Eh non. Ça doit être lui, le vieux qui va toujours. Bah voilà, Tailleur, c'est ça. Tiens, un champi. Ok, on a donné des champis à tout le monde. On peut enfin rentrer et valider cette quête. Oh, tu en as déjà distribué? Oui. Oh, tu les as tous distribués, merci! Maintenant, les partisans de Baldin verront les choses telles qu'elles sont. Tiens, en gage de ma gratitude, prends ça! Ça, c'est gentil. C'est un champignon précieux sur lequel il est rare de mettre la main. Toi qui t'es montré un partisan sérieux du champ goutier, profite donc de cette petite gâterie pour reprendre des forces avant l'élection du chef du village! Alors, c'est bien, mais comment on fait pour lancer l'élection? Baldin, sa mission, j'imagine que c'est de lui ramener un champi... Enfin, un champi du fromage, en fait. Vas-y, redonne-moi du fromage. Et donc là, on va voir si le gars c'est bien ce qu'il veut. Ah ah, il y a un point d'exclamation, je pense que c'est bon. Vas-y, cette odeur affirmée, pleine de caractère, serait-ce un rêve? Non mais il a dit qu'il voulait le sentir, pas le goûter. Il me le vole. Mais oui, oui, c'est bien ça, exactement comme dans mes souvenirs. Du fromage des limites, c'était pourtant évident. Mon grand-père devait travailler avec l'un des propriétaires de la ferme. Quelle chance inouïe! Alors Nay a réussi à retrouver la recette et elle a réussi à la reproduire, c'est moi qui l'ai retrouvée. C'est fantastique! Nous allons pouvoir relancer la production de fromage et en faire la produit phare du village! Avec ça, je suis sûr de remporter les élections! Tiens, permets-moi de te récompenser pour ton aide précieuse. Ça c'est gentil, on parle enfin. Voilà qui devrait largement couvrir les dépenses. Bien, prochaine étape, m'entretenir avec Nay au sujet de la production du fromage à grande échelle. Oh, et convaincre l'épicerie et tous les marchands... oui, et tous les marchands aux environs de mettre en avant notre nouvelle spécialité. Cette fois, c'est sûr, je vais remporter l'élection à la main. N'hésite pas à venir m'exprimer ton soutien. Tout un fromage. Bon, il y a encore des quêtes à faire ou pas en rapport avec les élections, là? L'élection devrait avoir lieu très prochainement et grâce à toi, c'est dans la poche. Je devrais sans doute aller m'entretenir avec Sophora, d'ailleurs. Ah. Oui, oui, quête secondaire, le grand débat. Attendez, mais non, mais valide là. Tout est maintenant prêt, et toi, es-tu prêt? Le grand débat pour l'élection du chef du village va bientôt commencer. C'est un peu couvert, mais ça ira bien. Direction place du village. Yes, let's go. On va avoir des élections, il y a des élections dans Zelda. Déjà, c'est une monarchie, genre... ils n'ont pas encore coupé la tête de leur roi. Merci à tous d'être venus, et sans plus attendre, je laisse la place à nos deux candidats. Qui va être élu en vrai? Moi c'est Baldin. Je pense que l'avenir du village c'est l'agriculture. C'est ce qu'on sait faire de mieux ici.
Son nez, waouh! C'est un héritage culturel qui a toujours fait les beaux jours du village et qui nous a permis de surmonter bien des épreuves. C'est ce qui fait la fierté du village, alors continuons à promouvoir nos spécialités, à commencer par le fromage des limites! Bien dit. Inutile de me présenter, vous connaissez tous Gouthier, la plus grande créatrice de mode de tout le royaume, et probablement la mieux placée pour faire de ce village le point central, que dis-je, la capitale de la mode! Le fromage et les légumes, c'est bien joli, mais ce sont l'argent et la renommée qui assureront l'avenir de ce village. La capitale de la mode, c'est Paris, donc il faut qu'on la sabote, elle. Et faites-moi confiance, en renommée, je m'y connais! Oh! Bon, et donc? La mode est éphémère, nous ne pouvons pas tout miser dessus, ce serait idiot et complètement irresponsable! Idiot, irresponsable, être à la mode, c'est être à la page, il faut vivre avec son temps, mais manger, c'est plus important, non? Dites, c'est pas un peu fini, oui? Mais lui, il a un peu raison et elle non, Sophora. Non mais regardez-vous tous les deux, ce débat est un dialogue de sourds et le village dans tout ça, vous l'oubliez? Et toi Frangine, tu ne te souviens plus comme tu aimais les légumes frais du village quand tu étais enfant? Tu te caches encore dans le silo la nuit pour déguster des légumes d'ailleurs, je le sais très bien! Choquant. Mais c'est-à-dire que... Et les recherches que tu mènes dans ton cabanon, Baldine, à quoi te servent les motifs de Gouthier que tu étudies? Allons, tu sais très bien que les créations de Gouthier attirent davantage l'attention que tes légumes et tu veux t'en servir! Clévia, pourquoi? Et ils ont qu'à sortir ensemble, hein. Et faire un couple de mères. C'est vrai, je te dois des excuses, Gouthier. Je devrais me réjouir de ce que tu as fait pour le village. Tu lui as donné un coup de jeune, c'est certain. Non, c'est moi qui te dois des excuses. Je me suis comporté comme une idiote. J'ai laissé mon orgueil m'aveugler. Oh. Tout ce que j'ai accompli, je le dois aussi à mes ancêtres, à ce village, à tout ce qui m'a permis d'en arriver là. C'est un peu moche, le village comme ça. Je vous dois des excuses à tous. Et moi de même. Sophora, je me retire de l'élection. What? Gouthier, non! Si le village rayonne autant aujourd'hui, c'est grâce à toi, je ne peux pas le nier! J'ai cru entendre que tu travaillais dur sur de nouveaux légumes pour moderniser l'âme de ce village. Je peux t'y aider. Hé, on aurait peut-être pu commencer par là, non? Bah ouais, en effet. Mes amis, il est grand temps d'allier modernité et tradition entre tradition et modernité. Bâtissons ensemble un avenir radieux pour le village des limites! Yeah! Parfait, bon bah voilà, tout est bien qui finit bien, fallait bien qu'ils se réconcilient, j'y gagne quoi dans tout ça? Je fais pas tout ça gratuitement, hein. J'ai pu discuter avec Sophora et Clévia. Grâce à toi, le village des limites retrouve calme, sérénité et une base plus solide pour affronter l'avenir. J'aimerais que tu passes me voir à la boutique Vendeste, je voudrais te remettre quelque chose. Elle veut me donner un truc, mais pas le maire? Oui, il m'a donné 100 rubis, c'était pas mal. Donne-moi le chapeau là, il est magnifique. Je me doutais bien que tu complotais avec Sophora, mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois également de mèche avec Clévia. C'était finement joué, en tout cas, ça a sauvé les élections. Mais dis-moi, te souviens-tu de notre toute première discussion? Voici le chapeau de Gouthier, mon dernier chef-d'œuvre en date, et le meilleur à ce jour. Regarde ses courbes pleines de charme et sa couleur envoûtante. Ce charme absolument indubitablement, irrémédiablement somptueux n'est pas à mettre sur n'importe quelle tête. Tu vois où je veux en venir? J'aimerais t'offrir ce chapeau de Gouthier, yes! Pas seulement pour avoir sauvé notre village, mais pour nous avoir remis Baldine et moi sur le bon chemin. Tu t'es montré digne de notre confiance, alors et digne de ce chapeau, alors prends-le. Et tu as intérêt de le porter. Mais ça va être quoi ces stats? Et hop! Chapeau de Gouthier, il est que 3, création originale de la célèbre styliste. Ce chef-d'œuvre signé Gouthier fera de vous la coqueluche des fashionistas quand vous le porterez. Et maintenant, file, arpente le monde coiffé de ton chapeau de Gouthier. Bon, assez bavardé, ça ne va pas se faire tout seul. Il est grand temps de réinventer la boutique Vendeste. Prête, Sephora, au travail! Quant à moi, je vais tout reprendre depuis le début, à commencer par ma collection d'objets rares hérités de mes prédécesseurs. Si jamais tu t'es séparé de tenues qui ne s'achètent pas en magasin, tu peux venir nous voir ici. J'aurai peut-être ce que tu cherches dans ma fantastique collection. Ok, alors, ça, je l'ai. Vas-y, non, je l'ai pas. 2200! Pourtant, c'est 8 de défense de base. Ah ouais, mais non. Regardez comment je suis beau avec ça. En vrai, ah, la coupe de cheveux, comme c'est ridicule. Dans cette vidéo, j'ai absolument pas fait ce que j'avais prévu de faire, mais tant pis. Ah, dommage, ce chapeau se renforce pas. J'aurais bien voulu l'avoir avec plus de défense. Bon, en tout cas, pour finir, on va mettre le linel bleu, parce que ça, j'en parle depuis le début. Bon, alors ça va une fois de plus être bien compliqué. Donc, en plus, si on se souvient bien... Ah mince, attendez. C'est vrai que là, je peux tirer 5 trucs. Les 3 sera peut-être moins abusé. Et donc là, je vais lui faire 3 dégâts de... Quoi? Vas-y. 3 dégâts explosifs, mais c'est parfait. Va-t'en. Alors, ok. Parce que... Ah ouais. Alors, moi, si je me fais exploser moi-même, en fait, ça va pas du tout. Bon. C'est vrai qu'il fait... J'avais oublié, mais il fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Et ça, c'est plutôt bien. Par contre, moi, je peux me faire beaucoup de dégâts, donc... Je vais m'éloigner. Ah non, c'est bon. Il a attaqué d'autres gens. Vas-y. C'est bon? Ok. Il a perdu sa protection. Mince, j'aurais dû en profiter. Vas-y.
Ok, ok. Ah, ça ne met pas à terre, mince. Alors maintenant, faut réussir les esquives. Oh non, pas ça. Est-ce que je peux lui renvoyer? Je suis pas sûr. Hein. Yes! Ah, quand on réussit les esquives, c'est trop satisfaisant. Après, j'ai une arme qui fait quasiment aucun dégât, mais tant pis. Après, c'est pas grave. Genre, si j'arrive à faire des esquives, dans tous les cas, je finirai par lui faire beaucoup de dégâts. Par contre, c'est un peu honteux. Ok, c'est un peu honteux pour la fée que j'ai perdue. J'irai en chercher de toute façon avant d'aller battre le boss de fin. Yes, 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 yes. Ah mince! Ah, ça tombe au mauvais moment. Qu'est-ce que j'ai qui fait beaucoup de dégâts? Ouh, ça c'est pas mal. Ah, et par contre, ah, j'aime pas du tout ce genre d'arbre. Après, quand c'est comme ça, genre ça va. Mais si c'est pour attaquer normalement, genre, je trouve que le timing d'attaque, il est trop mauvais. Comment on avait fait pour le faire tomber? On avait réussi de base. Et enfin, la dernière fois. Et après, je pouvais lui faire plein de dégâts en étant au-dessus de lui. Oh là là là. Si je fais que de faire ça, c'est pas grave. Ah, c'est bon, c'est bon. Je l'ai mis à terre, je sais pas trop comment. Vas-y, vas-y. Je peux tenir jusqu'à ce que j'ai plus d'endurance? Ah non. Pas vraiment. C'était un peu... Ça aurait été un peu abusé. Vas-y, attaque-moi. Oh. Oh, même pas avec ça. On s'en fout en fait. On s'en fout pas quand ça nous touche. Aïe. Ah, j'arrive plus à faire des esquives. J'ai plus de vie. Je vais me faire tuer. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça c'est pas grave. Ah, c'est bon. C'est mes potes qui l'ont eu encore une fois. Ils sont trop forts mes potes. C'est quoi ça? Ah, ils s'étaient pris ça. Mais oui, ils sont vraiment trop trop forts mes potes. Non non, mais arrêtez. Laissez-moi ramasser tout ça, c'est bon, merci. En tout cas, il me reste encore un morceau de linelle à avoir. Mais nous les amis, on va rester là pour cette vidéo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser des pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner. Et à demain pour la suite. Salut!